à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons jouer à Train 2. J'espère que vous allez bien. Pontius accepta immédiatement l'invitation à dîner de Rosabelle. Lorsque leur hôtesse se retira pour la nuit, les héros unirent leurs forces. Ils quittèrent rapidement l'étrange maison. Il était tard, mais la quête les stimulait. Donc voilà, vu que la quête les stimulait, on y va. Cette Rosabelle est charmante. Je l'ai trouvée très belle. Enfin, pour son âge. Plus que votre femme? Elle doit être morte d'inquiétude. Ou furieuse. Probablement les deux. Alors. Ah, à peu de choses près, je l'avais. Bon, c'est pas encore trop grave. Hop. Ah, on commence bien. En train de péter tous les objets. Voilà. Bon, ça c'est fait. L'arbre ici, il est un petit peu malade, je pense. Voilà, si tu veux, même avec ton bouclier, je te le prends. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Sûrement pas une pâquerette. Cette forêt est vraiment étrange. Voilà, on est passé, on suicide peut-être l'un de nos personnages, mais au moins on passe. Hop, on y va. Pourquoi tu les avales pas? Oula. C'était un piège. Ok. Non, de où je suis touché là? Oh lolo, c'est quoi ces bugs là? Oh, comment je vais faire pour passer moi? Toi, tu meurs. Je me demande comment je vais pouvoir passer. Hop, ok. Faut se concentrer un minimum ici, c'est fou. Voilà, c'est bon, on passe. Alors, qu'est-ce qui va encore nous attendre de si magnifique? Je pense qu'en fait il nous faut le lancer de marteau. Le lancer de marteau ça coûte 1. Bon, allez. Exceptionnellement. Parce que le marteau en fait ça n'a pas une grande utilité.
C'est ça, en plus. Bon, ça c'est pas forcément nécessaire pour l'expérience. Je vous laisserai chercher si vous désirez. Oh, regardez ces petites lumières. Vous n'avez jamais vu de lucioles ? Elles sont attirées par la lumière. Mmh. Mais il y en a qui sont attirés par la nourriture. Voilà, on peut quand même en reprendre de l'expérience, c'est pas grave ça. Si on n'a pas tout, c'est pas encore trop trop grave. Ah si, je vais devoir faire quelque chose donc pour le moment. Foutre ça là. On va essayer de voir si ce que je vais tenter c'est bon ou pas. J'étais pas à bonne distance donc je préfère me méfier. Ah d'accord. Ah bah il y avait quand même quelque chose à récupérer ici. Je pense qu'on va devoir faire une sorte de pont. Hein. Ah, la plante ne nous touche même pas quand on fait une sorte de pont. C'est bien ça. Oh mince, on l'a réveillé. Merde. Je serai directement de l'autre côté, je serai tranquille. Ouf, je me suis pris des dégâts. Vous auriez dû manger autre chose qu'une pomme au dîner. Non, c'est à cause de cette forêt. Elle est... si sombre. C'est parce qu'il est minuit passé. Allez, on y va. On est en train de massacrer tous ces satanés gobelins. Ah voilà. Ah mince. Hein? J'étais one shot là? Non, mais c'est pas possible. Ouf. Oh, c'était à deux doigts. Hein. Déjà, on va changer d'arme. Prendre le marteau. Pas mal celle-là. Oh, il me reste un point d'expérience à avoir.
Mince. J'ai pas fait attention. Ma sœur est stupide, faible et insipide. Mais tout le monde adore cette fille en or. D'accord. Oui, tout à fait logique. On l'aime pas parce qu'elle est stupide, mais on l'aime parce que c'est une fille en or. Je pense que ça devrait être ça. Voilà. À chaque problème, sa solution. Cette fosse regorge de ces plantes monstrueuses. Fermez les yeux et imaginez que ce sont des jacinthes. Tu as raison, c'est des drôles de jacinthes alors. Alors, ici. Et voilà. Bah ça en fait c'est beaucoup plus facile. Je ne le savais point. Si je l'aurais su, je crois que je l'aurais fait bien avant. Alors on va déjà regarder s'il y a quelque chose à faire ici. Bon, apparemment il y a des trucs à aller chercher. Bon, il y a un point d'expérience. Ce qui ne me déplaît pas pour autant. À mon avis, il n'y a pas que ça. Non, ça va. On a quelques points d'expérience en plus. Nickel. Il y a un truc à faire ici. On va tester comme ça. Ou alors il y a un truc à faire qui est comme ça. Ah non, là c'est vraiment beaucoup plus lourd apparemment. À mon avis, je crois que je vais devoir reprendre.
Oh le saligo. Oh, c'était bien joué ça. Bon, j'ai trouvé la technique. C'est assez compliqué, mais bon. Oula. Oh. Ah ouais, là, ça rigole pas. Ah ouais, carrément. Toi, ça le croyait, je vais te tuer. Voilà. J'arrive même pas à l'atteindre de là. Ah, quand vous êtes au sol, c'est différent, hein. Voilà. Le guerrier, il est vraiment puissant. Pour ce qui est combat, il vaut mieux lui faire appel. Mince. Bon. Ben voilà. Mince. C'est vrai que j'oublie à chaque fois qu'il faut laisser enfoncer la touche chaude pour sauter plus haut. Ce qui me fait un gros défaut. On trace. Ça marche bien en courant vite. Encore un point de chargement, mais j'ai quand même regardé s'il n'y a pas quelque chose à faire ici. Il y a bien quelque chose à faire ici. Le salopard. Non. Laisse-moi tranquille, toi. Le salaud. Alors, m'excuserai, j'ai dû mettre sur pause parce que j'étais interrompu, donc on va continuer. J'espère que je vais pas me faire bousiller du coup. Non, 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 toi nous chope pas parce que je sais très bien que là il me reste plus que un attaquant. Heureusement que j'ai ces flèches. Je dois faire quasiment tout avec cette voleuse. Parce que c'est du guerrier qui est mort. Oh punaise. Voilà, il est mort. Ouh, alors. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec Pontus.
Alors apparemment non. On va se la jouer save. Putain. Ça va être chaud, hein. Oh punaise. Réussi. Ouf. Allez-vous-en. On cherche pas à comprendre, on les massacre. Ok, bon, là. Toi, ne bouge surtout pas. Oh punaise. Voilà, toi, au moins tu mérites ce que tu as semé. Oula, oula. Ah oh, ça va, ça fait pas tant de dégâts que ça. J'aurais cru à plus quand même. Mais non, ça va. Ok. Bon, ça devrait pas être si dur que ça. Ah oui d'accord, j'avais pas vérifié. Il y a quelque chose d'assez embêtant. Effectivement, ça risque d'être un peu plus compliqué que je ne le pense. J'ai regardé quelque chose. Oh oh. Bon bah je m'en doutais. Donc non, là il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai peut-être trouvé. Faudrait que je fasse appel à ma dextérité par contre. Alors. Bah voilà, ça a marché. Et hop, dans le tronc. C'est sûrement la grotte dont nous a parlé Rosabelle. Elle devrait nous mener au château. Et bah voilà, on arrive dans la grotte apparemment de Rosabelle. Au moment où les héros sortirent du sombre bosquet, leur cœur se serra. D'après Rosabelle, le moyen le plus rapide de rejoindre le château consistait à emprunter les tunnels des cavernes. Le chemin passait sous la forêt. Donc voilà, là on va passer au niveau de la forêt pour aller donc dans cette grotte aux champignons pour pouvoir poursuivre notre petite quête qui est de sauver en gros le monde grâce au Train qui nous a aider à nous, comment on pourrait dire, se regrouper pour vaincre le mal. Donc voilà les amis, on se retrouvera pour un prochain épisode de Train. Je vous dis à bientôt et salut à tous.